suis Jean-François Réco, j'ai fondé Biocycle. L'idée du projet est venue assez naturellement. À l'époque, je bossais dans l'informatique et typiquement, j'avais un petit peu une question en fait, de quête de sens avec moi en fait, dans ce parcours. Et en fait, au fur et à mesure de mon évolution, je me suis demandé en fait, comment je pouvais avoir plus de sens, d'impact en fait, dans mon action au quotidien. Et puis un soir, en fait, en quittant mon bureau, je vais acheter en fait, ma baguette de pain et en allant voir le boulanger à 5 minutes de la fermeture de la boulangerie, je prends ma baguette et je lui demande en fait ce qu'il va faire de tout le pain qui reste dans sa boulangerie. Et il me dit qu'il va jeter en fait cette nourriture. Et je lui dis c'est dommage parce que en fait pas très loin il y a des personnes qui sont en galère, qui sont en difficulté. Ça serait un bon moyen en fait de pouvoir faciliter l'aide alimentaire. Et donc c'est comme ça en fait que le projet Biocycle est né. Donc on va partir sur notre collecte du jour avec nos vélos triporteurs. En fait, j'ai démarré de manière très très simple avec vraiment un collectif citoyen. L'idée pour moi, ça a été de rendre visite en fait aux premiers commerçants, potentiellement donateurs. J'ai eu beaucoup de refus et en fait, au fur et à mesure, un a commencé en fait à faire la démarche. Puis après, de ce premier, j'ai pu le dire au deuxième et au troisième qu'en fait, il y avait déjà des commerçants qui étaient en train de donner. Et j'y étais vraiment en mode vélo traditionnel de ville avec une petite carriole. Voilà, ça roule très bien à Paris, hein. Ceux qui disent le contraire mentent. Ça qui est pratique avec nos vélos triporteurs, c'est qu'ils sont quand même assez agiles, on peut se faufiler dans les rues de Paris, prendre les voies de bus, les voies de vélo. C'est vrai que c'est un modèle de logistique qui est beaucoup plus adapté à la ville que la voiture, la camionnette, comme traditionnellement utilisée. Et il faut savoir que dans le triporteur qu'il y a derrière moi, on peut prendre 200-250 kg de fruits et légumes, ce qui est quand même un volume assez important. Donc voilà, on n'est pas non plus vraiment limité à ce stade-là. Bonjour monsieur, on est Biocycle, une association qui récupère les invendus sur les marchés et on les amène à une asso d'aide alimentaire. Super, magnifique. Merci beaucoup. Alors. Le fonctionnement en fait est assez simple. On a des vélos, des commerces, des professionnels de l'alimentation donateurs et des associations partenaires qui sont spécialisées sur l'aide alimentaire auprès desquelles on redistribue des fruits et légumes, des produits frais, des produits secs, des produits transformés selon la logistique en fait nécessaire, c'est-à-dire le respect de la chaîne du froid. Et on aide à peu près 600 personnes en accès direct de cette alimentation via notre réseau de partenaires associatifs. Chaque semaine, on est à peu près en fait, à une tonne cinq de denrées collectées en circuit court et flux tendu. On gère le dernier kilomètre. L'enjeu en fait, de la logistique du dernier kilomètre à l'échelle des villes, c'est la congestion. Je pense profondément en fait, que le vélo triporteur est un outil révolutionnaire qui peut permettre en fait, de transporter l'alimentation. Et en plus, à finalité en fait, d'insertion. Les vélos triporteurs ne nécessitent pas le permis de conduire. Lorsque vous avez des publics qui sont écartés en fait, du marché de l'emploi et qui ont besoin en fait, de s'insérer professionnellement, l'activité Biocycle est un moyen pour ça. Voilà, maintenant on va amener tout ça à la Chorba dans le deuxième. Leur réseau et leur travail nous permet d'avoir des légumes et des produits pour fonctionner correctement, faire la soupe et distribuer aux personnes les plus précaires. Donc c'est essentiel pour nous et c'est un lien qui est hyper important pour nous. Leur travail bénéficie à la Chorba et on partage les mêmes valeurs, on partage la même action, les mêmes envies et pouvoir donner une seconde chance aux produits qui ne peut pas être vendu. Tu vois, regarde, alors il y a un côté comme ça, un côté moche, alors on va pas l'acheter, on va l'acheter, on va pas s'en servir. Comme ça.
Et bien c'est bien. Et là, le côté, donc on peut récupérer quand même des choses. Et c'est pas parce que c'est forcément moche que c'est pas bon. Donc nous, on a récupéré plein de poires comme ça sur des marchés avant qu'elles soient jetées. Des poires, des bananes, du melon, du kiwi, de la pêche. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais mixer un peu tous les fruits. Et ensuite, vous allez vous relayer, on va pédaler sur le vélo pour faire un jus de fruits. D'accord. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Alors, ce qu'on cherche à faire, nous, en partie, c'est aussi de faire un changement de regard du grand public et des commerçants sur ce que c'est qu'un déchet, sur ce que c'est qu'un invendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a certains fruits, certains légumes qui vont avoir un peu trop mûri, qui deviennent un peu moches. Et naturellement, le réflexe, spontanément, ça va être de les jeter. Ce qu'on va chercher à faire, nous, c'est d'essayer de montrer qu'un fruit, un légume qui est moche, n'est pas forcément mauvais. D'essayer de faire ce distinguo-là et de le prouver en sensibilisant directement les gens grâce à des ateliers vélomixeurs, notamment, voilà, pour montrer qu'un fruit moche n'est pas forcément un fruit mauvais.